suis badass, hein. Ouais, je suis badass. Ok, yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de RL Craft. Ça commence à faire beaucoup quand j'y pense. Je suis en compagnie de mon dragon de compagnie, logique. Vous avez proposé des noms dans les commentaires, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est que là vous avez proposé des noms. Et celui qui aura le plus de votes, il pourra potentiellement. On l'appellera peut-être comme ça, d'accord? C'est pas encore sûr. Parce que je crois que j'ai des name tags dans les coffres, donc on peut le renommer. Donc, oui, je vous rappelle, dans le dernier épisode, on était parti chercher ce dragon là. Et si vous vous souvenez bien, j'avais eu beaucoup de mal à le récupérer. Heureusement que j'ai eu cette baguette super cheatée qui me permettait de buter les dragons à 17 km. Sinon, je l'aurais pas eu en fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Aujourd'hui, on va faire la même chose mais avec un dragon de glace. Bah oui, j'ai un dragon de feu. Il me faut un dragon de glace. Mais avant, je sais comment faire grandir mon dragon. J'ai lu vos commentaires. Va pas dans le trou, s'il te plaît. Ouais, merci. Il faut du dragon meal pour le faire grandir. Alors je sais pas comment ça va le faire grandir. Je sais pas si ça va bien le faire grandir. Ah ouais d'accord, ok, bon j'en avais que 3. J'en avais fait 3, comment on en refait déjà? D'accord, ça se fait avec toutes les viandes. Ah pas toutes les viandes mais ça se fait avec la plupart des viandes et juste des os. Pourquoi j'en avais 3? Je devais en avoir fait dans le dernier épisode mais je me rappelle plus. Donc là j'ai un peu d'os, je crois pas que j'en ai plus que ça. De toute façon j'ai pas de viande donc bon, un baiser. Ouais parce que regardez, j'ai un name tag ici hein, donc on peut le renommer hein. Donc choisissez un nom dans les commentaires hein. Et choisissez pas un nom de merde hein. Vraiment j'ai confiance hein. Bon alors techniquement si je fais ça. Ok ouais, il est dedans. Alors, unnamed, genre mâle. Bon, c'est un mâle, ouais, c'est une bonne chose. Et il a 8 jours. Et comment je le fais sortir aussi ce dragon? Ok, je le fais sortir comme ça. Bon, je vais le mettre quand même dans ma corne de dragon parce que j'ai peur qu'il dépop. Moi, la dernière fois, je l'avais laissé et il avait disparu. Donc c'est pas un bon plan. Ok, sinon, moi je me suis préparé, regardez, il y a de la viande. On va tout simplement aller chasser le dragon de glace aujourd'hui. Dans les prochains épisodes aussi, j'ai bien envie d'aller redescendre dans le donjon rouge, là, qu'on avait fait au tout début, et péter le boss de fin. Parce que oui, il y a un boss de fin à l'intérieur, et j'ai bien envie de le tuer. Mais je pense qu'il est fort. Et je pense qu'il va me péter la gueule. On verra. Voilà, on va pas faire le fou, je vais laisser ici mon dragon, parce que si je meurs et qu'il crame ou je sais pas où et qu'il disparaît, bah comment dire que j'aurai le seum. La strat, vous la connaissez, on va boire le plus d'eau possible avant d'utiliser les fioles, et puis voilà. Après, j'aime le risque. Enfin, je serais tombé, je m'aurais pris mid-life, j'aurais pleuré, mais bon. Alors par où chercher? J'en ai aucune idée. La dernière fois, j'avais déjà cherché un biome neige pour avoir un dragon et j'en avais pas trouvé. Donc on va devoir chercher un peu plus, hein, j'ai l'impression. 2000 years later. Je suis vachement loin de la maison, mais j'ai trouvé une énorme montagne. Donc ça, c'est un bon point, on va aller l'explorer tout simplement. En espérant trouver des choses. Sinon, j'aurai le seum. Parce que là, ça fait au moins 5 ou 10 minutes que je marche. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pas froid. C'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. C'est quoi ce truc? Ah, mais attends, je crois que je l'avais déjà vu dans le dernier épisode, mais je l'avais pas exploré. What the fuck? C'est quoi ce truc? Il y a des yels. Je crois que comme ça s'appelle, ouais, des yels. Mais c'est juste ça, d'accord? Il y a rien d'autre? Bah, j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre, hein. Alors, on va creuser quand même, faut pas déconner, mais j'ai vaguement l'impression qu'il y a rien du tout, en fait. Yes, à quoi ça sert de mettre une structure ici au beau milieu du machin, s'il y a rien? Bon, c'est pas grave. Ah, moi, je pensais que j'allais pouvoir enfin trouver un truc de ouf, m'amuser. Mais non, la vie en a décidé autrement, à ce que je vois. J'ai l'impression que les dragons de glace sont 2, 3, 4 fois plus rares que les dragons de feu, hein. Sans déconner, j'en ai croisé aucun. Hein. Au moins, c'est grave, hein. Je peux dire que je suis en train d'explorer. Hein. Parce que là, ça fait 15 minutes que je marche sans réel but en train de chercher des montagnes ou de la neige ou autre, et je trouve rien. Mais pour une fois, en 15 minutes de marche, il se passe rien. Oh, une golden nymphe, nice. Non, c'est super rare, je pense ça. Donc ça m'étonne quand même, en fait, qu'il se passe rien du tout, là, sur RLCraft, mais bon, c'est comme ça. On continue de marcher, hein. Par contre, ça pue la merde, vu que le soleil va se coucher, donc c'est pas vraiment oufissime, ça. Et, je suis extrêmement loin de chez moi, donc je sais pas comment je vais faire. J'espère juste que je vais trouver un truc qui va... C'est quoi, ça? Oh putain, oh putain, oh putain! Mais c'est quoi ce truc? What the fuck? 6 serpents! Mais mec, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? D'où ça pop comme ça? C'était dans l'eau? Crève, crève! Meurs, bordel de merde, tu fais flipper, meurs, voilà! Ça? Ça là! Ce truc là! C'était dans l'eau? Oh what the fuck! Putain, moi je voulais juste échantillonner ça. Et ça c'est quoi? D'accord, c'est des blocs d'os. Bah tiens, parfait! Pour faire la viande de. Parfait! Oh, juré le screamer, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Oh mon dieu, ouais. Mais attends, mais je savais pas qu'il y avait ça dans l'eau, moi. Mais c'est ultra flippant qu'il y ait ça dans l'eau, en fait. Oh putain, ce bâtard, il m'a fait peur de ouf. Oh ok, bon, ça va. Bon, même s'il fait nuit, j'ai peur de m'approcher de l'eau maintenant. Je déconne pas. Ouais, c'est bon. Mais bon, je suis pas mort, donc ça va. Même s'il fait nuit, je pense que je vais pouvoir survivre la nuit, donc on s'en bat les couilles. On va continuer à explorer, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Oh putain, il y a une araignée améliorée.
Ok, bon bah je l'ai one shot en fait. Et elle m'a donné un boomerang. Ouais, elle est trop sympa, elle m'a donné un boomerang. J'ai envie d'essayer mon boomerang là. Oh, tu vois le creeper là? Ah, oh putain de merde. Non, bah, par contre, les screamers que ça me fait là. Oui, oui, mais ne le touche pas aussi, hein. Ouais, troll-moi. Alors là, il y a eu un creeper ninja qui a décidé de me foncer dessus. Casse-toi, toi. Ça va, ça fonctionne bien quand même comme boomerang. Hop là, voilà. Mais le creeper ninja, il m'a fait flipper sa mère, hein. Bon, je pense que je vais essayer de trouver un abri pour la nuit quand même. Qu'est-ce que tu veux, toi? Que, ouais, là, les creepers ninja et toutes ces conneries, là, non merci. Le serpent ninja aussi, là, non merci. Putain, je rappelle qu'à la base, cette expédition était pour trouver des dragons de glace. J'en trouve pas un. Et je tombe sur des trucs... Oh putain, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh, il m'a fait perdre mon arme, c'est bon, il est mort. Je déteste les monstres améliorés. Il y a une mini-ferme là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il y a une maison? Ou il y a juste une mini-ferme? Ok, il y a juste une mini-ferme, yes. Oh, oh putain! Faut vraiment que je me cache. J'ai peur de la nuit maintenant, c'est bon, je vais faire un cauchemar. Je vais me cacher dans un trou. Je vais pour buter un squelette, il y a un monstre qui apparaît dessus, what the fuck? Voilà. Au moins là, je suis sûr de pas mourir. 346 minutes later. Bon, ça fait quand même un bon 5-6 minutes que j'attends. J'espère qu'il fait jour. Yes, il fait jour. Ah ouais, non, c'est bon, la nuit, non. Voilà, vengeance sur un mouton. Et je sais pas pourquoi, je sens que je trouverai pas un seul dragon de glace. Et dans les commentaires, dites-moi où on les trouve exactement, parce qu'en vrai, ça m'énerve de devoir parcourir des milliers de blocs. Je sais pas comment je vais rentrer là. Si, bon, je sais comment je vais rentrer. Et je vais trouver un donjon vite fait et je vais choper une potion de Weak Hole. Ça va être le plus simple à faire, ça, je pense. Ah, je suis vraiment bloqué par l'arbre là. Oh, j'ai buté plein de cerfs, hein. Au moins leur viande, tiens, il y en a encore là. Leur viande me permettra de faire du dragon meat, ce qui me permettra de faire grandir mon dragon. Donc si vous vous demandez pourquoi je fais un génocide de cerfs, tout à fait normal. Il y a une tour ici, c'est pour ça que j'ai repris ici en fait. Donc on va aller la faire, cette tour, comme ça je vais pouvoir choper une potion de weak hole et pouvoir rentrer chez moi. Maintenant j'ai peur de l'eau. Je déconne même pas, hein. Ce putain de saloperie de sea dragon m'a fait peur. Ça va, c'est une tour de... Oh là, j'ai failli me casser la gueule par contre. Je vais pas dire que c'est une tour de merde, mais c'est une tour qui m'a pas l'air d'être très compliquée. Donc ça va. Il y a des putains de blaze. Mourez. Wow, elle sort d'où elle? Ah ouais, j'ai peut-être parlé un peu trop vite et ouais, ça va peut-être être un peu plus dur que ce que je ne pensais. Quand tu veux, tu meurs toi. Hein. Ok, j'arrive à détruire les spawners un à un. Sauf quand je me fais agresser par des araignées modifiées. Ah non! Non! Fuite. Je suis mort. Ok, ça va. Moi, il y a 5 minutes qu'ils aient. Mais oui, ça allait être simple. Mais oui, vas-y, fais-le. Haha, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Haha. Non, c'est pas simple. Et non, c'est super compliqué. Bon, bah, on va remonter comme ça, hein, j'ai envie de dire. Hein. Allez, je me fais courser par une araignée super puissante. Tiens, prends-toi mon boomerang. Elle s'en bat les couilles. Elle me lance des éclairs, quoi. Elle est complètement folle, elle. Oh, mon boomerang, là, reviens. Regardez, elle me lance des éclairs. Meurs, créature de l'enfer. Putain, c'est bon, je l'ai eu. Ouf. The Blood Moon is rising. Non, tout sauf ça, non. Non. Ça, je sais ce que c'est, ça. Ça, non, ça, c'est non. Vite, faut que je me cache. Pourquoi ça arrive au pire moment? Comme par hasard, ça arrive au pire moment. Faut une tour ou une connerie comme ça. Bon, bah... Il y a une lune de sang. Quand il y a une lune de sang, il y a 6 fois plus de monstres. Et ils sont 2 fois plus forts. Donc là, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je suis sans doute mort, en fait. Et j'ai une idée, mais bon, elle est pas ouf, mais j'ai une idée. Il y a un coffre là-bas. Il y a moyen qu'il y ait une potion de Weak Hole dedans. 47 blocs, je commence à avoir froid en plus. Bah, vas-y, c'est le tout pour le tout, j'ai envie de dire. Sinon, je suis mort, donc autant tester, j'ai envie de dire. On va manger de la viande de machin. Comme ça, au moins, j'aurai des cœurs en plus. Ok, ça va, les monstres sont cons. Dis-moi qu'il y a une potion de Weak Hole dedans, s'il te plaît. Oui! Yes! Oh putain de sa mère! Oh là, c'était dur aujourd'hui, c'était dur! Ah ouais, mais faut pas sortir pendant une Blood Moon, hein, moi je vous le dis. Ça pue juste la merde. Mon dragon, il est là. J'espère qu'il est là. Ouais, il est là, il va bien, donc ça va. Oh là 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 là. Ok, bon. Ok, durant cet épisode, on n'aura pas trouvé de dragon. Comme dans le dernier, j'ai envie de dire, mais on a trouvé de l'aventure, on va dire. Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose à dire. On s'est fait agresser par un serpent géant. On s'est fait aussi agresser par un creeper ninja. Et on s'est fait agresser par une lune de sang. Et il y a un mec qui joue de la trompette chez moi, là. Juste pour vous montrer, je vais me mettre en game mode 3 et je vais descendre pour vous montrer. En fait, le truc avec la Blood Moon, déjà, on voit rien. Et il y a des monstres tous les 2 cm, littéralement. Hein. Il y a des monstres littéralement tous les 2 cm. Donc c'est pas ouf. Là, je vois presque rien moi-même. Hein.
Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, on voit rien. Moi non plus, hein, t'inquiète. Après, la Blood Moon, c'est tellement rare que bah, il y en a jamais en fait. Donc voilà. Donc les gens, c'était Injax. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La Blood Moon est en train de s'arrêter. Là, il commence à faire jour. Regardez-moi ça. On voit la lune à travers les vitraux. C'est tellement stylé. Bon, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner. Je sais que vous êtes vraiment beaucoup à regarder la série RL Craft. Vous en faites pas, ça s'arrête pas. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et de prochains live. Allez, ciao les gens.